La scie de jardin style GTA 26, qui est en fait une mini tronçonneuse, est très pratique pour les coupes légères. Bien équilibrée, son poids total de 1,5 kg seulement, permet de l'utiliser facilement d'une seule main. Personnellement, j'ai opté pour cet outil, pour tailler et élaguer proprement mes arbres fruitiers, et j'en suis très satisfait. Elle est conditionnée dans un packaging classique, contenant une trousse très bien conçue. Elle contient la scie, une burette d'huile de chêne, le chargeur de batterie, et la batterie. C'est une batterie, style AS2, compatible avec tous les outils AS System. Son autonomie pour faire fonctionner la scie en coupe continue, est d'environ 20 minutes, c'est un peu faible, je recommande donc d'avoir au moins deux batteries. Comment bien utiliser la scie de jardin ? S'équiper de gants et de lunettes de protection est essentiel. Après avoir ôté le protège-chaîne, vérifiez le bon fonctionnement du capot de protection mobile. Vérifiez le maintien du guide et la tension de la chaîne. Appliquez un peu d'huile sur la chaîne, introduire la batterie dans son logement, et vérifiez le niveau de charge. La chaîne ne peut être actionnée qu'en appuyant simultanément sur le levier de blocage et la gâchette. Élaguer et tailler les arbres fruitiers est désormais un jeu d'enfant. Les coupes sont nettes et propres. Le guide de chaîne mesurant 10 cm, la coupe de branche jusqu'à 8 cm de diamètre est facile, laissant une tranche propre et saine. La scie peut aussi être utilisée dans de nombreuses circonstances, notamment pour des coupes de bois de menuiserie. Lorsque le travail est terminé, avant toute action, il est essentiel d'enlever la batterie. Le nettoyage et le rangement de la scie est alors possible en toute sécurité. C'est un outil vraiment utile pour le jardin et le bricolage. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.